Déjà maman de 3 enfants, Jazz de la JLC Family accueillera très prochainement son 4e bébé. Un quotidien qui sera encore plus compliqué à gérer. Heureusement, elle peut compter sur ses nannies pour l'aider à garder sa maison en ordre. En quelques années, la fille de Jazz a complètement changé. Si Esti en participant à diverses émissions de télé-réalité que la jeune femme s'est fait connaître. Finalement, suite à un braquage en 2018, elle décide de quitter la France pour s'installer avec son mari Laurent à Dubaï. Si Esti donc loin de leurs proches qu'ils élèvent ensemble leurs enfants. En effet, en 2017, elle a donné naissance à sa fille Chelsea, avant d'accueillir deux garçons, Kaden en 2019 et London en 2020. Et 3 ans plus tard, le couple qui a fait face à d'énormes difficultés entre eux s'apprête à rencontrer leur 4e enfant. Jazz, JLC Family, habite dans une maison de 1989 mètres carrés sur les réseaux sociaux, Jazz et Laurent n'hésitent pas à afficher leur agent. Entre leurs différentes voitures hors de prix et leurs innombrables vêtements et accessoires de luxe, le couple affiche clairement qu'il ne rencontre aucun problème financier. Si Esti sans compter sur leur villa à Dubaï dans laquelle ils vivent avec leurs enfants et leur nanny. Sur Instagram ce mercredi 13 septembre, la future maman a expliqué pourquoi autant de personnes étaient à leur service et celui de leurs enfants. Je vais être très sincère, même si comme d'habitude, ça ne va pas plaire, annonce-t-elle avant même de répondre. J'ai bientôt 4 enfants, si est-il beaucoup. Ma maison fait 1989 mètres carrés, imagine le ménage seul, je ne suis pas du tout bonne en cuisine, j'ai les moyens d'offrir des emplois, j'ai les moyens de m'offrir du temps libre pour moi ou pour mon couple. Donc moins de stress et surtout plus de moments de bonheur avec les enfants, confie-t-elle. Mes enfants ont peur de dormir dans leur chambre et vivre dans une maison si spacieuse avec son mari et ses enfants a des conséquences sur ces derniers. Mes enfants ont peur de dormir dans leur chambre parce que la maison est grande. Mais ce ne sont pas ces nannies qui iraient se plaindre de ce train de vie. En plus d'être mieux payée que les autres femmes du reste du pays, Jazz s'assure qu'elles soient nourries, logées et blanchies, en plus de payer leur forfait de téléphone. Elles ont également un jour de repos par semaine et un mois de vacances, et l'ex-star de télé-réalité prend à ses frais leur billet d'avion moins. Quelle générosité !